Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du cocktail White Lady. C'est un cocktail à base de gin, de Cointreau et de citron vert. Avant de continuer, je compte sur vous. On s'abonne sur Facebook, Instagram, YouTube, mais aussi à la newsletter. On laisse des commentaires, on partage. Bref, c'est vous qui donnez vie à mes recettes, alors à vous de jouer. Pour ce qui est des quantités, vous verrez rien de plus simple. Et croyez-moi, ce cocktail est vraiment un délice. À la fin de cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour adapter cette recette de cocktail. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de gin, de Cointreau, de citron vert et de glaçons. La recette du cocktail White Lady est enfin prête. Comme vous avez pu le voir, rien de plus simple. Pour ce qui est de la présentation, je vous conseille un verre à martini. Pourquoi ? Parce que c'est un cocktail qui se sert en petite quantité, du coup ce sera vraiment le format idéal. Pour adapter cette recette, vous pouvez bien sûr remplacer le Cointreau par du Grand Marnier et pourquoi pas le citron vert par du citron jaune, ça sera tout aussi bon. Et pour que ce cocktail soit réussi, je vous conseille de choisir un gin de qualité. Alors il y a plein de parfums différents selon vos goûts. Pour ma part, j'adore le Bombay Saphir. Si cette recette vous a plu, vous pouvez retrouver plein d'autres recettes de cocktails avec et sans alcool sur mon blog culinaire. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Retrouvez l'intégralité de la recette sur mon blog. Vous y découvrirez également la fiche recette. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, mais aussi à la newsletter pour être tenu informé des dernières recettes. Sur ce, je vous souhaite un excellent apéritif et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.